m'appelle Laurent Brière, mon premier métier que je pratique maintenant depuis 24 ans est celui de formateur auprès des entreprises dans les domaines de la PAO, du web et de l'audiovisuel. Depuis 2014, j'ai également professionnalisé deux passions, la photographie et la vidéo, en réalisant des reportages, films d'entreprise et en produisant des contenus de formation en ligne. En 2020, j'ai créé et développé moi-même tutorielenligne.fr, une plateforme de e-learning conçue à partir du gestionnaire de contenu WordPress et de l'extension LearnDash. Les apprenants de ce site ont accès à des cours en ligne et en vidéo, vidéos qui sont hébergées par Streamlabs. Comme beaucoup d'internautes, j'utilise YouTube ou Vimeo, mais je me suis vite rendu compte des limites de ces services pour un usage professionnel, notamment au niveau de la maîtrise et de la sécurité de mon contenu, ce qui n'est pas du tout le cas chez Streamlabs. Je trouve leur outil d'administration tout à fait simple et très complet. Il me permet de mettre le contenu de mes formations de mon portfolio en ligne très rapidement, mais également de les intégrer en quelques clics dans mon interface de gestion de cours. Je dispose aussi via la console Streamlabs ou l'API de statistiques très précises sur la consultation de mes vidéos. Alors, Tutoriel en ligne propose des cours en ligne illustrés en vidéo. L'accès à ces formations s'effectue par le biais d'une plateforme open source WordPress, d'un plugin de gestion de contenu e-learning LearnDash et d'un système de paiement sécurisé Stripe. Une fois que l'apprenant a fait l'acquisition du cours, il peut ensuite le retrouver dans son espace utilisateur privé. Contrairement à une solution clé en main, cet assemblage me permet de moduler les fonctionnalités proposées à la mesure de mes propres besoins, de faire évoluer ma plateforme quand et comme je le souhaite. J'utilise également l'API et les web services Streamlabs qui sont très bien documentés et faciles à prendre en main. Et dès que j'ai une question, je peux compter sur la réactivité du support utilisateur, que ce soit via le centre d'assistance en ligne ou encore par téléphone. Donc pour toutes ces raisons, et parce que Streamlabs est une solution française et éco-responsable, je la recommande bien sûr vivement.